Pour les francophones, merci de cliquer sur le timecode qui s'affiche juste ici pour aller directement à la version française. You may have noticed that this video was about 30 minutes long, but please, let me explain. My name is Sammy Neville and I've lived 12 years in Japan. And because I've lived such a long time in Japan, I've learned how to avoid losing time when looking for a job or internships in Japan. And I want to share everything with you in this ultimate guide that you're watching right now. So please don't think of this as a long guide. It's actually very short, since I'm basically compressing 12 years of my Japanese experience in just 30 minutes. Ooh, not so bad now, is it? And because I'm kind, I have put for you in the description below the time code for each part of the video so that you can jump directly to the subject that interests you. Or you can just sit down with your best tea, Japanese of course, and watch the entire video. You're a student and you want to find your internship in Japan, your internship, but you don't know how to start and you were told it was difficult or impossible? That it was absolutely necessary to speak Japanese? Or you're a high school student and you're planning to do your internship in Japan later? I put together this ultimate guide based on my 12 years experience in Japan. All my internships from high school to my university graduation, compressed in just a few minutes to help you at the fullest in your preparation. You will also have my 5 methods and 7 tips to get your internships in the best conditions, which I summarize at the end of this video. And even if you're looking for a regular permanent job, a lot of the information provided will be useful for you. You are ready? Let's go! 皆さん、ご準備はいかがでしょうか？最高のインターンシップの概要はスタート！And welcome to Sammy's Bento, to make Japan and Japan spirit a little closer to you. In this channel, you will find a lot of useful information about Japan, its society, work in Japan, as well as a new innovating learning method for Japanese with drama, anime and music. So if you're new, please consider subscribing. Whether you're a student in Japanese, an architect, an engineer, a graphic designer, or a commercial, whatever your specialty, doing your internship in Japan will greatly enhance your resume. But above all, you will benefit from a very qualitative training in terms of attention to details, meticulousness, quality always pushed at the maximum. Working in Japan has been for me the best school of search for excellence. And if you can work in Japan, you can work then anywhere, given the high level of requirement required by any employer, whatever your status in the hierarchical scale. But only if you manage properly your internship, a point that will be covered in another video. Finally, last but not least, your company can also hire you at the end of your internship, which is not rare at all in Japan, if you have demonstrated to your boss that you have real added value and you have become an essential element to your company. But before you throw in this adventure, I really advise you to study the issue without over-idealizing the matter, because internships are not well established at all in Japan as maybe abroad. Because in Japan, students don't need to do any internships during their academic course, since their initiation to the world of work only starts once graduated at the beginning of any job in the company. So you will need to develop a strategy and a specific action plan to not only hope to get an internship, but to get an internship that really brings you something new, rich of learnings. Second point, be ready to accept changes of missions possible once on the spot, even disconcerting intercultural situations. You may be shaken, maybe more than any other countries, perhaps led to do tasks related to what is called dirty work or without any real educative value. So to work in Japan, you will need a very good ability of adaptation and selflessness.
This being so, you have, as a foreign intern applicant, a lot of assets in your sleeves. Starting with the fact that even typical Japanese companies like to have their quota of employees to set the example of openness to the world or just hire them for one-time projects. Even if some motivation of Japanese employers to hire you are not very rewarding for you, it could be well worth it. First of all, you generally have a huge advantage in looking for an internship in Japan because of the Japanese lack of skilled labor, on the one hand because of a demographic deficit, and in the other hand because they just start to realize that they're in need of experts from the international market to export better their products. The Japanese government is well aware of this growing need for international human resources and is increasingly promoting internships for young foreigners in its Japanese companies. Moreover, although internships, as they are called in Western countries, do not exist structurally in Japan, the practice of internships for students within companies has enormously increased in recent years, with in 2016 a little over 60% of Japanese trainees, and the latest statistical trends show that it is close to 70% for 2017. But where you can have a real advantage over a Japanese candidacy, it is that for us foreigners, they don't have such elitist criteria and the university background doesn't prevail that much. It is the opposite. We must especially show concrete skills directly usable. Anyhow, most of the Japanese recruiters don't know the values of our diplomas according to the type of university and will hardly know Harvard for most of the time. So an essential point when you apply for an internship in Japan or anywhere else for work will be to answer the following question. What will be my added value compared to a Japanese employee? Why would this company make it more difficult for them to recruit me rather than a Japanese, given all the necessary steps in Japan to recruit abroad? When you can answer this question, then you can be accepted. And I said accepted because that's all the point of my video. It will be most of the time up to you to sell the concept of internships and motivate your recruiters on your profile. What really matters for Japanese recruiters is what you are actually able to bring as an expertise, know-how, image, skills from elsewhere, and therefore your potential for the development of the company. It can be the fact that you offer them help on the spot for a new foreign customer base or for partnerships with foreign companies or putting at their disposal advanced knowledge of the Western know-how and approaches in return for learning Japanese methods so that you can live with additional assets in addition to your portfolio, for example. So it's up to you to make it clear from the beginning what your position is. For instance, in most of my internships, I was the first and only one hired foreigners. And that was thanks to the fact that I explained to them what was the Western style internships and I explained them the benefit for them and it paid off. All this to tell you that it is possible to do internships in Japan, having myself done internships from 1 to 9 months during my studies. For your information about duration, most companies that hire foreign interns will hire them for internship from 1 month to 1 year with an average of 4 months. This requires to find companies that are open to the concept of internships, but do not knock at their door saying, "Hello, please take me, I need an internship." Always think in terms of supply and demand. And if there is no demand, do like Apple, create it. If you are okay with all this, we can continue. This video is for those among you who wants to do internships in Japan as a student in general. For your information, I will also do videos for internships for specific areas such as catering or teaching jobs, which requires dedicated information. Here in this video, I will discuss the general case which concerns the majority of you, which is namely validating an internship for your studies, whether you are bachelor, master or beyond. First, there are three cases to consider when you are applying to an internship in Japan, and that apply for any position beyond the mere internship. First, applicants who only speak English. And yes, it is possible to find internships in this configuration. Second, applicants who can only speak English or have some beginner Japanese level. Third, applicants who can speak Japanese at intermediate level or above. Even if you don't begin with the best linguistic assets, don't worry. Unlike preconceived ideas, and apart from job that requires fluency in Japanese, there's still much more work than you think
where you don't need to actually speak Japanese. And on the contrary to what is often said, no, it's not only traders that can work in English. There are even a bunch of international posts that only ask for your first or second language that are just waiting for you. You will be surprised to see the number of posts that only ask for English speakers. Obviously, it will be harder because you will be lost in the crowd, and at equal language level, it will be your resume, motivation, and personality that will make the difference. My advice, focus on English-speaking companies, then expand your target to other companies. Here, you are between two levels, but you still have a huge advantage over other applicants because you're still in the minority compared to the mass of applicants that cannot speak Japanese at all. To speak at least a minimum of Japanese will always give more confidence to your recruiters because recruiters always have more or less some apprehension when communicating with foreigners. And this for various and different reasons that will be covered in another video. Most of the Japanese people are more or less open-minded. But if I take the example of a recruiter to whom we have asked to recruit an intern, you will have greater chances if you can show that you can have mutual understanding and communication with him. This shows a potential for progression that inspires confidence to the recruiters in your ability to adapt to the Japanese professional culture beyond your professional and technical skills. Because in Japan and more than anywhere else, linguistic framework and professional standards are very tightly mixed up, but I will come back to that in another video later. Statistically, you are more likely to get a job easily in Japan. Obviously, if you can speak Japanese, you can open more doors and you can rely on your bilingualism during negotiation. Your big advantage is that you can reply to all offers written only in Japanese, even if they only ask for English as language skills. Indeed, many recruiters don't bother to write ads in English. For instance, you can apply to the biggest advertising pools in Japan, Likunabi and EN Japan. My advice, target all companies and focus on companies that may be interested in your Japanese expertise. Thus, with these very rare linguistic skills, you will increase your chance of being noticed compared to the mass of applicants without Japanese skills. You will be able to identify offers that fit your profile by looking into the following criteria: expertise of the Japanese and international markets, capacity to ensure the connection between the international subsidiary and the mother company, or translation to Japanese from English, etc., etc. Now let's talk about the famous GLPT test. I know I will disappoint many of you, but although it is often said that you need the minimum of GLPT 2 level to work in Japan, I can assure you from my experience that this paper will only help you to stand out from the selection. I will make a dedicated video about that, but you have to know that this test is actually only a written test and doesn't show anything about your actual communication skills. How many people I have met that even have level 1 or knew about 2000 kanji but were totally unable to have a professional conversation? The real interest of this test is beyond motivation to really monitor yourself toward the level you want to achieve. So it should not be an approach like, oh, I have the N2, finally, it will impress them on my resume. But rather, okay, now I have the N2, let's show them what I worth on the field. On the other hand, I remember that back on my first internship, my employer asked me to take the TOEIC test in order to increase my hourly rate by 100 yen, which is not bad. Of course, I took it and passed it very quickly because it's very easy compared to TOEFL, but I think it worth mentioning it because when you think about the cost of living in Japan, any yen is more than welcome. My advice, if you have a general profile with no particular added value, target primarily companies from your country in Japan or non-Japanese companies in priority, and strengthen your Japanese ability by learning some of the jargon of your sector. If you have a technical profile sought after or rare, focus on medium and large Japanese companies that are more likely to work with foreigners. Without going too much into the details of the Japanese job market that will be covered in another video, here are some useful information that can be useful before applying. First, in general,
international companies and small startups in Japan are more inclined to accept internships. According to 2016 data of the Ministry of Health and Labor in Japan, the highest concentration of foreigners in Japan is industrial production at 31%, followed by services at 14% and small businesses at 13%. The latest study of DISCO Japan 2016 also tells us more precisely that IT, research, supply chain, administration and international trade are the areas where companies are more likely to use interns. All this to tell you that there is a very varied market that can suit to the greatest number of people. Finally, here is a study, still from DISCO Japan, that shows us the biggest selection criteria for foreigner in Japan. Unsurprisingly, what is the most popular among Japanese companies when hiring a foreigner is his ability to communicate in general and his skills in Japanese. English is only ranked 9th in the recruitment criteria, but it should not discourage you. Now, regarding the search of internships, you have two kinds of situations. Either you are already in Japan and can look for a job directly from Japan, whatever the visa you have, and is by far the best case, or you are outside in Japan and you wish to look for a job remotely. For applicants outside of Japan, it's much more difficult because Japanese recruiters are much less inclined or more suspicious to hire someone without a real face-to-face. Of course, you will always find people who got their job through Skype or phone, but it's still a minority from my experience. Nevertheless, it's quite possible to find remotely with the following few possibilities. And now, the 5 ways to find your internship in Japan. For my part, I advise you to look for internship in Japan via spontaneous application because companies really post them themselves. By doing spontaneous application, you can best target your area of expertise and companies are usually very receptive to your motivation and creativity. In this type of action, the nerves always pay sooner or later. As myself, I got an internship by offering a mini show of promotional magic showcasing one of the products that they were selling. By doing so, I could show them how much I was hyper-motivated and that my little show was only a small preview of the promotional campaigns that I could create for them. And after the demo, bingo, I was hired as a marketing assistant. So don't give up before sending 1,000 letters. If you are already in Japan, you could even go directly to the company without any appointment. A Japanese will never dare that, but as a foreigner, you can take this liberty. I have personally already tried this technique before for small size company and in 2 cases out of 10, you will have someone to welcome you or at the worst case, you can leave your resume at the reception. Then the Jinzai Shokai Gaisha. Too little known by expatriates, these staff agencies are a gold mine. You just need to go to their office for a small interview of less than 1 hour and then they take care of contacting you regularly with offers. Even if they are more used for the equivalent of permanent or temporary jobs, nothing prevents you to explain that you're looking for an internship. But forget about it if you're not in Japan, you must be on the spot. I put you some of the Jinzai Shokai Gaisha companies in the description below. And for the rest, there are tons of online websites posting daily offers in Japan and sometimes for internships. And of course, nothing prevents you from negotiating to take you as an intern for an offer that really interests you. I have gathered for you several places to look for internships displaying right here and also put other links in the description just below. Then it might be very obvious, but your personal network in your university, your expatriate or Japanese network who can know the right person can be very fruitful. Indeed, interpersonal connections still remain the most reliable way to find an internship in Japan because as you may know, Japanese recruiters still rely heavily on the trust and interconnections, so don't neglect this part of the research. Myself, without abusing too much, I had sometimes to use my personal network to get some connections. Of course, I don't know the prerequisite of all the area of expertise, but you will soon find out with the first replies. Obviously, I can also advise you to first target the biggest cities such as Tokyo, Yokohama, Osaka, Nagoya, where you will find the greatest number of companies gathered. Then, although it's always better to write your resume in a Japanese style to increase your chances by specifying your real level, it's not mandatory. I will make a video dedicated to that also for those who are interested to have the best chances. What really matters is that you can show to the recruiters that as soon as you are hired, you are already able to comply with the Japanese standards and procedures, which is highly appreciated in Japan as a sign of respect toward the country that welcomes you.
and then the cover letter, at least in English and if possible in Japanese, because the recruiter who will receive it will not speak necessarily English. Now for the visa. Without going too much into details, you have three cases. For an unpaid internship of less than 90 days or 50 days, depending on your nationality, a simple tourist visa will be fine. However, for Russia, China, Georgia, and Philippines, you do need a tourist visa application. Yes, on the contrary to what is often said, as long as no salary has been paid, you are allowed to work voluntarily with this type of visa. Moreover, there is no real tourist visa, but rather a temporary visa. Second case, your internships last more than 90 days and you will not be paid. Your company will have to sponsor you to obtain a visa called Cultural Activities. You can request a permit to work for a part-time job, to work, I believe, 4 hours per day, but it will be limited, so I don't really recommend it. And then third case, your company pays you. Then they will need to sponsor you to get you the visa called Designated Activities, unless, of course, you have any other compatible visa, such as working holiday. And then, very important point, if you receive any kind of salary other than expenses and you don't have any other visa, you must have the designated activities visa, which is called Tokutei Katsudo. So don't take the risk of receiving the least compensation in Japan even for one day. Japan is very tough on this point and you can risk of being expelled from Japan without any notice. Second precision, for those who wish to go from a tourist visa to a work visa without leaving Japan, it's actually possible. I myself went from a tourist visa to a 5 years working visa, all that without leaving Japan. For this, you need to anticipate well and be sure to get your certificate of eligibility within 3 months. This misconception that you need to leave the country to get the visa actually comes from the fact that between the time that you're filling the application and obtaining the certificate, the 3 months of the temporary visa have already elapsed. So if it's what you're planning to do, I really advise you to go to Shinagawa office directly on the day you arrive. By the way, the visa application can be done in any embassy outside of Japan. And little tip, you don't need to return to your country. You can actually go to Korea if you're in Japan, it's much cheaper. Finally, if you feel it's too much of a burden for the company to make the paperwork for the visa, take the initiative and propose them to do it by yourself. It's a bit of preparation, but it will take a big weight off the employer, especially for small businesses. To be honest, internships in Japan are poorly paid or not paid at all, varying between 1,000 yen to 1,200 yen per hour gross, which is about 9 USD to 10.5 USD today. So if you just want to get money, a baito will bring you more. A video on these subjects is also planned. Moreover, if you're not a student, doing an internship doesn't worth it, because you will better off doing a permanent stable job in Japan. Without that, you won't be able to really live in Japan and have a decent life. In Japan, it is necessary to differentiate two categories of internships. First, the vast majority of the cases where the internship is what I will call a little apprentice work or short-term arbeito, which are like 1 to 3 day trainings and what they call tanki intan. And they're usually unpaid and called mukyu internship. Then you have what interests us more, internships of a little longer duration called yukyu internship, but paid on average only 8,000 yen, which is today 70 USD per day, plus transportation. But well, in fact, for those who understand the nuance, for me it's more the literal sense of kenshu, which means learning and training rather than real professionalization, unless you make it clear from the beginning. So now, what say the Japanese law about the payment of internships in Japan? The Japanese law is clearly in favor of companies and employers have understood it well. Article 9 of the labor law states that whatever the nature of the work done, the employer has a duty of payment to the employee. In addition, the supplementary note of September 18, 1997 states that if during the internship, if there is an employer-employee's subordination relation, the employer shall comply with this Article 9. So normally, internship equals work. So far, everything seems okay. Except that in reality, companies will very often pass these internships off for purely didactic training without any real contribution to the company.
and thus even if you participate a lot in the activities of the company. As you can see, the broader line between training and work is very thin. This is actually explained by the underlying idea that is really prevalent in Japan, that the company is actually doing you a favor by training you, and in which case they don't have any obligation of paying you. So in the end, employers don't have always the obligation to pay you and are free to interpret the law in the most advantageous way for them. Well, that's theory, because for Japanese as well as for us potential foreign candidates, everything is negotiable upon mutual understanding and agreements. For information, wages can be either hourly GQ, daily NIQ, monthly GEQ, and per project DEKITAKASEI. Finally, you have to know that some companies are more or less tough in terms of behavior adaptation towards foreigners. I will not talk about specific approaches or codes to find work in Japan, but I will definitely cover this topic in a future video. And I have joined you as a small download bonus, my internship contract that I have translated in Japanese. You just need to fill your parts. Finally, it's obvious, but especially once you have found your internship, pay close attention to any details on the contract, especially payment, transportation, insurance, working hours, and others, because it can be very decisive on your daily life in Japan. Here are now my 7 tips to have your internship in the best conditions. Number 1, start the process at least 1 year before, because to obtain the certificate of eligibility, you can wait up to several long months. Number 2, try to finish your request before April, as it is a deadline for closing budget in Japan. Number 3, be methodical and follow up on your request, even by contacting again the companies. Number 4, make sure of the content of your internship. Too often people have discovered that their internship has nothing to do with what has been discussed. Number 5, take a flight ticket with an exchangeable return. You can never be too careful. Number 6, apart from any saved money or benefit you may have from the company, and considering that you're living in a big city like Tokyo, I really advise you to negotiate at least 150,000 yen per month, which is about 1,300 USD, which seems to be the minimum to live decently in Japan. And finally, number 7, go with a minimum of resources, just in case you have unexpected events during your internship. For example, I myself had to find another internship on the spot after some economic issues with my first company. And that's all for this guide. I really hope you could find some useful information in your project to find your internship in Japan, because finding an internship in Japan is not always easy, but I can assure you that it is worth it to overcome obstacles. Personally, even if there were some difficult moments during my internships in Japan, I never regret them. I will tell you more about that in an upcoming video. I would like to thank you for watching this video until the end. And now a little question for you. What are the best plans you have to look for your internship in Japan? Tell me in the comments below. I would love to discover them. Thank you again for watching this video. And now I tell you rendezvous actually tomorrow with a video for learning basic Japanese with Doraemon. You will love it. And if you like this video and want to watch more, please consider subscribing to my YouTube channel and following me on Facebook, Instagram, Twitter. Thank you very much. Jane! Vous avez sûrement dû remarquer que cette vidéo dure environ 30 minutes, mais laissez-moi vous expliquer. Je m'appelle Sami Neville et j'ai vécu environ 12 ans au Japon. Et grâce à cette expérience, j'ai accumulé des connaissances bien particulières pour éviter de perdre du temps lors de la recherche d'emploi ou de stage au Japon. Donc ne pensez pas que c'est un long guide. En fait, c'est extrêmement court, car je vais vous compresser en seulement 30 minutes 12 ans d'expérience pour la recherche de stage et de travail au Japon. Ah...
décrocher un stage au Japon, le graal des graals pour tout étudiant japonisant. Vous êtes étudiant et vous souhaitez effectuer votre stage en entreprise au Japon, votre internship, mais vous ne savez pas par où commencer et on vous a dit que c'était soit difficile, voire impossible, qu'il fallait absolument parler japonais, ou vous êtes lycéen et vous envisagez de faire un stage au Japon plus tard. Alors ne bougez plus, voici le guide ultime pour décrocher son stage au Japon. Vous aurez aussi mes 5 méthodes et 7 conseils pour décrocher votre stage dans les meilleures conditions possibles que je présenterai à la fin de la vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Saiko no internship no gaiyo wa start! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Bento de Samy. Sur cette chaîne, vous trouverez un large panel d'informations uniques sur le Japon, sa société, son monde du travail, mais aussi une méthode unique et innovante pour apprendre le japonais via les animés, les dramas et les chansons. Et aussi quelques vidéos de grooming inspirées du Japon rien que pour vous. Donc si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner. Soyez étudiant en langue japonaise, infographiste, architecte, commercial, quelle que soit votre spécialité, en licence ou en master, effectuer votre stage au Japon est une expérience qui valorisera grandement votre CV, en plus d'y ajouter une langue de plus en plus demandée à l'international. Mais surtout, vous bénéficierez d'une formation très qualitative en termes d'acquisition de process de travail, de sens du détail, de méticulosité et aussi de la qualité toujours poussée au maximum au Japon. En effet, travailler au Japon en tant que stagiaire a été pour moi la meilleure école de la recherche de l'excellence. Et vous aussi, si vous pouvez travailler au Japon en tant que stagiaire, ensuite, vous pourrez travailler n'importe où. Et ce, quel que soit votre niveau dans l'échelle hiérarchique. À condition, bien sûr, de bien gérer votre stage. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Enfin, last but not least, vous pouvez aussi transformer votre stage en CDI au Japon, chose pas du tout rare au Japon, si vous avez réussi à prouver votre réelle valeur ajoutée à votre employeur, dont il ne peut plus se passer. Mais avant toute chose, je ne peux que vous conseiller de bien étudier la question sans trop idéaliser, car le fonctionnement des stages n'est pas du tout ancré dans la culture japonaise comme ça peut l'être en France. Car en effet, au Japon, les étudiants n'ont pas besoin d'effectuer un stage à valider durant leur cursus académique, car leur réelle initiation au monde du travail commence une fois diplômés, lors de leur prise de poste en entreprise. Vous l'aurez compris, il vous faudra donc développer une stratégie et un plan d'action bien spécifique pour non seulement espérer décrocher un stage au Japon, mais aussi un stage formateur pour vous. Vous serez peut-être bousculé, hein, sans doute plus que dans votre pays, voire même amené à effectuer pas mal de tâches qu'on appellera le sale boulot, sans réelle valeur formative. Donc travailler au Japon vous demandera une bonne capacité d'adaptation et d'abnégation. Ceci étant, en tant que postulant étranger, vous avez beaucoup d'atouts dans votre jeu. A commencer par le fait que beaucoup d'entreprises japonaises aspirent à avoir leur quota d'étrangers pour montrer l'exemple d'ouverture sur le monde, ou alors pour des projets ponctuels, ou encore pour des projets plus structurels de déboucher sur d'autres marchés internationaux. Donc bon, même si certaines motivations des employeurs japonais à vous embaucher ne sont pas toujours très valorisantes, en général, ça vaut le coup de foncer. Tout d'abord, eh bien, vous avez un énorme avantage à chercher un stage au Japon en tant qu'étranger, car eh bien, les Japonais manquent cruellement de main-d'œuvre qualifiée, d'une part en raison d'un déficit démographique, et aussi parce qu'ils commencent tout juste à réaliser qu'il leur faut des experts issus de l'international pour mieux s'exporter à l'étranger. Le gouvernement japonais est d'ailleurs bien conscient de la nécessité grandissante de se doter de ressources humaines internationales et promeut de plus en plus les stages de jeunes étrangers au sein de ses entreprises japonaises. De plus, bien que les stages tels qu'on les appelle en Occident n'existent pas structurellement au Japon, la pratique chez les Japonais a énormément progressé ces dernières années, avec en 2017 un peu plus de 60% de stagiaires japonais, et les dernières tendances statistiques montrent que ça se rapproche des 70% pour 2018. Mais là où vous pouvez avoir un réel avantage par rapport à une candidature japonaise, c'est que pour nous autres étrangers, eh bien ce ne sont pas tant les critères élitistes liés au parcours universitaire qui priment, mais plus ce que vous valez sur le terrain et ce que vous pouvez démontrer à votre entreprise au quotidien. De toute manière, en général, les recruteurs ignorent la réelle valeur des diplômes étrangers et par exemple HEC ne leur dira absolument rien. Donc une étape essentielle lorsque vous postulez à un stage ou tout autre travail au Japon, c'est de vous poser la question suivante. Quelle serait ma valeur ajoutée par rapport à un salarié japonais?
pourquoi cette entreprise se compliquerait la tâche à me recruter moi, plutôt qu'un japonais, compte tenu de toutes les démarches nécessaires au Japon pour recruter un étranger? Et oui, quand vous pourrez répondre à ces questions, vous pourrez vous faire accepter. Et j'ai bien dit accepter, car c'est tout l'enjeu de ma vidéo. Car en effet, ça sera la plupart du temps à vous de vendre le concept de stage et de motiver votre employeur par rapport à vos capacités. Ce qui compte pour un employeur japonais, c'est ce que vous pouvez apporter en termes d'expertise, image, habileté ou savoir-faire qui pourrait aider au développement de l'entreprise. Ça peut être le fait, par exemple, que vous apportez à l'entreprise une aide bien particulière pour aider à développer sa clientèle étrangère, ou en vue de partenariats avec des entreprises étrangères, ou en mettant à leur disposition des connaissances pointues sur des savoir-faire et approches françaises, comme la fameuse French Touch, en contrepartie bien sûr, d'un apprentissage et de méthodes japonaises pour que évidemment vous repartiez avec des atouts en plus dans votre portfolio. Donc encore une fois, à vous de bien vous positionner sur ce qu'est un stage au Japon. Et cela en expliquant aux entreprises ce qu'est un stage à l'occidental, en leur décrivant les avantages pour elles. Tout ça pour vous dire que oui, c'est réellement possible de faire des vrais stages au Japon, ayant moi-même fait des stages d'une durée de 1 mois à 9 mois. Et à propos de durée, en général, les entreprises recruteront des stagiaires pour des durées de 1 mois à 1 an, pour une moyenne d'environ 4 mois. Donc il faut pour cela trouver une entreprise ouverte à la notion de stage, mais ne frappez pas à leur porte en disant « Hé, prenez-moi, j'ai besoin d'un stage !» Mais agissez toujours en termes d'offres et de demandes. Et s'il n'y a pas de demande, eh bien, faites comme Apple, créez-la. Donc si vous êtes ok avec tout cela, on peut continuer. Donc pour commencer, cette vidéo s'adresse aux étudiants qui souhaitent trouver un stage en entreprise. Pour info, je réaliserai d'autres vidéos consacrées à des domaines d'activité tels que l'enseignement ou la restauration qui nécessitent des informations dédiées. En effet, ici, on abordera le cas qui intéresse la grande majorité d'entre vous, à savoir un stage à faire valider durant votre cursus universitaire, que vous soyez en licence, master ou au-delà. Donc pour commencer, il y a 3 cas de figure à distinguer quand vous cherchez un stage au Japon, qui sont d'ailleurs applicables pour la recherche d'emploi en général. Premièrement, les postulants ne parlant que le français. Car oui, même dans cette configuration, il est tout à fait possible de trouver un stage au Japon. Deuxièmement, les postulants qui ne parlent que l'anglais ou qui ont un niveau de japonais débutant. Et enfin, troisièmement, les postulants parlant un niveau de japonais intermédiaire et plus. Même si vous ne partez pas avec les meilleurs atouts linguistiques, ne vous inquiétez pas. En effet, et contrairement aux idées reçues, en dehors des emplois requérant la maîtrise du japonais, il existe tout un tas d'emplois où vous n'avez pas besoin de parler le japonais. Beaucoup d'offres, en effet, vous demanderont au minimum l'anglais, voire le français si vous êtes chanceux. Et contrairement à ce qui est souvent dit, non, il n'y a pas que les traders qui peuvent travailler qu'en anglais. Il y a même tout un tas de postes internationaux ne demandant que votre première ou deuxième langue qui n'attendent que vous. Et vous serez même surpris de voir le nombre d'entreprises ne recrutant que des anglophones. Bon, là évidemment, la concurrence sera plus rude, car vous serez noyé dans l'immense majorité des personnes ne parlant pas le japonais, mais à niveau égal, ça sera votre CV, motivation et personnalité qui feront la différence. Mon conseil, visez d'abord les entreprises françaises, puis agrandissez aux entreprises anglophones. Évidemment, il va sans dire que si vous avez une formation telle que graphiste 3D ou ingénieur en aéronautique, ou toute autre formation où la communication verbale n'est pas ou peu importante, eh bien votre niveau de langue ne sera pas un critère décisif. Par ailleurs, quelques cours de japonais avant votre départ pour montrer que vous vous intéressez à la langue et à la culture japonaise seront un plus très appréciable pour votre employeur. Bon là certes vous êtes entre deux eaux, mais vous gardez quand même un bel avantage car vous êtes toujours extrêmement minoritaire par rapport à la grande majorité de postulants ne pouvant pas communiquer en japonais. Parler ne serait-ce qu'un minimum de japonais augmentera grandement vos chances car disons-le, eh bien, les recruteurs japonais ont souvent une grande appréhension vis-à-vis d'un candidat étranger. Effectivement, même si la grande majorité des employeurs sont assez ouverts, si je prends l'exemple d'un recruteur typiquement japonais à qui on a demandé de recruter un étranger, eh bien, je peux vous assurer que lui montrer que vous avez quelques bases de japonais eh bien, vous permettra de vous démarquer de vos concurrents. C'est indéniable, cela montre votre potentiel de progression au recruteur, ce qui inspire confiance dans votre capacité d'adaptation à la culture japonaise au-delà de votre simple compétence technique ou professionnelle. Car en effet, au Japon, cadre linguistique et normes professionnelles sont étroitement imbriqués. Mais je reviendrai sur ce point dans une autre vidéo.
Ici, statistiquement, vous faites partie de ceux qui ont le plus de chances de décrocher un stage. Parler japonais vous ouvrira évidemment plus de portes et vous pourrez miser sur votre bilinguisme lors de votre négociation. Votre gros avantage est que vous pourrez répondre à toutes les offres uniquement rédigées en japonais, même si elles ne demandent que l'anglais comme compétence linguistique. Car en effet, même s'il n'y a que l'anglais de requis, beaucoup de recruteurs japonais ne prendront pas la peine de rédiger leur annonce en anglais. Et vous pourrez par exemple postuler aux deux plus gros viviers d'annonces au Japon, Likunabi et Yen Japan. Mon conseil, visez toutes les entreprises, en privilégiant celles qui sont le plus susceptibles d'être intéressées par votre bilinguisme. Ainsi, étant donné que cette compétence est rare, vous pourrez vous démarquer par rapport à la grande majorité des personnes n'ayant pas de compétences particulières en japonais. Vous pourrez identifier les entreprises susceptibles d'être intéressées par votre profil en recherchant les offres avec les critères suivants. Commerce international entre la France et le Japon, capacité de liaison entre la filiale européenne et la maison mère japonaise ou inversement, traduction franco-japonaise, etc., etc. Parlons maintenant du fameux test JLPT. Ne misez pas tout sur votre JLPT ou vos immenses connaissances théoriques. Les recruteurs japonais veulent savoir ce que vous valez sur le terrain en conditions réelles. En effet, j'ai connu beaucoup de personnes qui se sont fait recaler parce que les recruteurs se sont soit rendus compte qu'ils avaient un niveau d'oral inférieur à leur niveau écrit ou parce qu'ils avaient d'autres attentes que leur niveau linguistique. Alors oui, je sais que je vais faire grincer beaucoup de dents et même s'il est dit qu'il faut le JLPT2 pour travailler au Japon, je peux vous assurer que ce bout de papier ne vous servira à rien d'autre que de vous démarquer lors de la sélection. Car ne vous inquiétez pas, les recruteurs démasqueront vite votre réel niveau de communication en entreprise. Et là, croyez-moi, c'est du vécu, j'ai connu un tas de personnes qui avaient soit un JLPT 2 ou 1, ou qui connaissaient environ 2000 kanji, mais qui étaient incapables de tenir une conversation professionnelle. Donc le réel intérêt de ce test pour moi, c'est qu'au-delà de vous motiver à en apprendre plus, c'est de vous situer par rapport au niveau que vous souhaitez atteindre à l'écrit. Donc ça ne devrait pas être une démarche du style « Ah cool, j'ai le niveau 2, ça va impressionner sur mon CV !» Mais plutôt « Ok super, maintenant j'ai le N2, donc les connaissances de base pour travailler en entreprise. Voyons maintenant comment je vais leur démontrer mon niveau oral et écrit en situation réelle pendant l'entretien. » Alors maintenant mon conseil, si vous avez un profil plus généraliste, sans compétences ou savoir-faire particulier, visez principalement les entreprises françaises ou non japonaises et renforcez vos bases en japonais en apprenant les bases du jargon de votre secteur. Si vous avez plutôt un profil technique, recherché ou rare, visez plutôt les entreprises japonaises de moyenne et grande taille qui seront plus enclines à travailler avec des étrangers. Maintenant, sans rentrer trop dans les détails du marché de l'emploi japonais, voici quelques informations utiles à connaître avant de démarcher. De manière générale, les entreprises internationales et les petites start-up au Japon sont plus enclines à accepter des stages. Ensuite, selon les données de 2016 du ministère de la Santé et du Travail au Japon, les domaines qui concentrent le plus d'étrangers au Japon sont la production industrielle pour 31%, suivi par le secteur des services à 14% et des petits commerces à 13%. La dernière étude 2016 de Disco Japan nous apprend d'ailleurs que c'est plus précisément la recherche, la supply chain, le domaine de l'IT, l'administration et le commerce international qui sont les domaines où les entreprises sont les plus enclines à faire appel à des stagiaires étrangers. Tout ça pour vous dire qu'il y a un marché très varié qui peut convenir au plus grand nombre. Toutefois, d'après mon expérience, les domaines qui sont le plus en expansion sont les domaines très techniques, les domaines de l'enseignement, de l'hôtellerie et du luxe. Pour finir, voici une étude toujours de Disco Japan qui nous montre les plus grands critères de sélection pour un étranger au Japon. Sans surprise, ce qui est le plus prisé des entreprises japonaises au moment d'embaucher un étranger, c'est sa capacité de communication en général et sa compétence en japonais en tête. L'anglais, lui, n'arrive qu'en 9e position des critères de recrutement. Mais ça ne va pas vous décourager pour autant. En ce qui concerne la recherche de stage proprement dite, vous avez deux cas de figure. Premièrement, soit vous êtes déjà sur place pour démarcher, quel que soit votre visa, et c'est d'ailleurs le meilleur des cas, ou soit vous êtes en dehors du Japon et vous souhaitez démarcher à distance. Pour les postulants qui sont en dehors du Japon, je vous le dis tout de suite, ça sera bien plus difficile car les Japonais sont bien plus réticents à recruter quelqu'un qu'ils n'ont pas eu en réel face à face auparavant. Bien sûr, vous trouverez toujours quelqu'un qui a réussi à décrocher son stage par Skype ou par téléphone, mais selon mon expérience, ça reste une minorité. Néanmoins, il est tout à fait possible de décrocher son stage à distance avec les quelques possibilités suivantes. Premièrement, je conseille pour ma part d'effectuer vos recherches de stage via des candidatures spontanées, car les entreprises les proposent rarement d'elles-mêmes. En effet, grâce aux candidatures spontanées, vous pourrez mieux cibler votre secteur d'activité et les entreprises pourront se montrer très réceptives à votre motivation et prise d'initiative.
Dans ce domaine, le culot paye souvent. J'ai moi-même décroché un stage en proposant un mini spectacle de magie promotionnel mettant en valeur un des produits qu'ils commercialisaient. Je leur ai fait mon petit numéro en leur démontrant à quel point j'étais hyper motivé et que mon petit show ne constituait qu'un modeste aperçu des campagnes promotionnelles que je pouvais leur créer. Et après la démo, bingo, j'ai été engagé en tant que stagiaire assistant marketing. Donc n'abandonnez pas avant d'avoir envoyé 1000 lettres. Si vous êtes déjà sur place au Japon, allez démarcher directement les entreprises sans rendez-vous. Un Japonais n'osera jamais, mais en tant qu'étranger, vous pouvez vous le permettre. J'ai moi-même essayé cette technique pour des petites entreprises, et dans 2 cas sur 10, vous aurez quelqu'un pour vous accueillir, ou à défaut, vous pourrez au moins déposer votre CV à l'accueil. Troisièmement, les Jinzai Shokai Gaisha. Jinzai Shokai Gaisha. Trop peu connus des expatriés, ces entreprises de placement sont des véritables mines d'or. En gros, vous vous enregistrez chez elles lors d'un petit entretien d'environ 1 heure, et ensuite elles s'occupent de vous recontacter régulièrement en vous proposant différentes offres. Même s'il est vrai qu'on les utilisera plus pour rechercher un CDI, CDD ou intérim, rien ne vous empêche de leur expliquer que vous recherchez un stage. Par contre, vous oubliez à distance, hein, il faut être sur place. Je vous ai d'ailleurs mis quelques liens de Jinzai Shokai Gaisha dans la description juste en dessous. Pour le reste, il y a tout un tas d'offres mettant en ligne des offres d'emploi avec parfois des offres de stage. Et évidemment, rien ne vous empêche de négocier qu'on vous prenne en tant que stagiaire pour une offre qui propose un CDI. Je vous ai donc mis en description tous les lieux et organismes qui permettent de décrocher un stage. Alors ensuite, ça peut paraître évident, mais votre propre réseau dans votre université ou votre entourage japonais ou expatrié qui peut connaître la bonne personne peut se révéler très fructueux. En effet, les connexions interpersonnelles restent le moyen le plus fiable de décrocher un stage ou un emploi, car les Japonais misent beaucoup sur la mise en relation et les connexions. Moi-même, sans abuser, j'ai eu quelques fois recours à quelques relations un peu haut placées. Alors évidemment, je ne connais pas tous les prérequis exigibles pour se faire engager dans votre secteur, mais vous pourrez vous faire une idée assez rapidement au vu des premières réponses. Évidemment, je ne peux que vous conseiller de viser en priorité les grandes villes, telles que Tokyo, Yokohama, Osaka, Nagoya, qui concentrent le plus grand nombre d'entreprises. Ensuite, même si c'est toujours mieux de rédiger un CV en japonais en précisant votre réel niveau, ce n'est pas obligatoire. Je ferai d'ailleurs une vidéo pour ceux que ça intéresse pour mettre toutes vos chances de votre côté. Il s'agit de démontrer que dès votre candidature, vous savez déjà vous adapter aux normes et procédures japonaises, ce qui est très fortement apprécié en tant que signe de respect vis-à-vis du pays qui vous accueille. En ce qui concerne la lettre de motivation, alors au minimum en anglais et si possible en japonais, car votre recruteur ne parlera pas forcément l'anglais. Maintenant, pour les visas, vous avez 3 cas de figure à distinguer. Alors premièrement, pour les stages non rémunérés de moins de 90 jours, un simple visa touriste suffira. Aucune démarche n'est à faire. Oui, contrairement à ce qui est souvent dit, du moment qu'aucune rémunération ne vous est versée, vous avez le droit de travailler bénévolement avec ce type de visa. D'ailleurs, il n'y a pas réellement de visa touriste, mais plutôt de temporary visa. Deuxième cas, votre stage dure plus de 90 jours et ne sera pas rémunéré. Votre entreprise devra alors vous sponsoriser pour vous faire obtenir un visa appelé Cultural Activities. Vous pouvez demander aussi une autorisation pour un part-time job, pour travailler je crois environ 4 heures par jour, mais bon, vous serez vite limité, donc je vous le déconseille. Troisième situation, vous avez un stage rémunéré. Dans ce cas-là, vous devrez alors vous faire sponsoriser pour vous faire obtenir le visa appelé Designated Activities. Sauf si bien sûr vous avez tout autre visa compatible tel que le Working Holiday. Point très important, si vous touchez la moindre rémunération et que vous n'avez pas déjà un visa de travail, vous devez obtenir le visa Designated Activities, Tokutei Katsudo. Surtout, ne prenez pas le risque de toucher le moindre yen sans visa approprié, car le Japon est très sévère sur ce point-là. Vous risquez de vous faire expulser sans préavis. Deuxième précision, pour ceux qui souhaitent passer d'un visa touriste à un visa de travail sans quitter le Japon, eh bien c'est possible. Je suis moi-même passé d'un visa touriste à un visa de travail de 5 ans sans quitter le Japon. Alors il faut pour cela que vous anticipiez bien et soyez sûr d'obtenir votre certificat d'éligibilité en moins de 3 mois. En fait, cette fausse croyance comme quoi il faille sortir du pays pour avoir un visa de travail vient du fait qu'entre la demande du certificat d'éligibilité et son obtention, généralement les 3 mois de visa de touriste sont écoulés. Donc si c'est votre but et que vous avez déjà une entreprise qui est prête à vous sponsoriser, je vous conseille vivement d'aller dès le premier jour au bureau d'immigration à Shinagawa. Sinon, la demande de visa s'effectuera dans n'importe quelle ambassade en dehors du Japon. Et petit conseil, si vous êtes au Japon, je vous conseille d'aller en Corée, ça sera beaucoup moins cher. Alors enfin, petit conseil de vous à moi, si vous sentez que ça embête un peu l'entreprise de vous sponsoriser et de faire les démarches pour vous, je vous conseille vivement de prendre les devants et de leur proposer de les faire vous-même. Alors évidemment, c'est un peu de préparation, mais vous verrez, ça enlèvera un grand poids
à votre futur employeur, surtout pour les petites entreprises. Alors, autant vous dire les choses clairement dès le début. Au Japon, les stages sont très mal payés, voire pas du tout, oscillant entre 1000 et 1200 yens de l'heure brute, soit 7,50 à 9 euros. Donc bon, si votre but c'est juste de gagner de l'argent, un baïto vous rapportera plus. Par ailleurs, si vous n'êtes pas étudiant, là la question ne se pose pas car vous aurez tout intérêt à trouver plutôt un CDI parce qu'un salaire de stagiaire ne permet pas de vivre décemment au Japon. Alors dans la grande majorité des stages au Japon, c'est plutôt ce que j'appellerais un travail d'apprenti ou un arbaito, à savoir une formation de 1 à 3 jours, ce qu'ils appellent les tanki intan, qui sont généralement non payés, appelés meku intanshipu. Ensuite, vous avez ce qui nous intéresse un peu plus, les stages d'un peu plus longue durée, les yuku intanshipu, qui sont payés en général 8000 yens la journée, soit 60 euros plus le transport. Mais bon, pour ceux qui comprendront la nuance, ça s'apparente plus pour moi au sens littéral de Kenshu, qui veut dire apprentissage, formation, qu'une réelle professionnalisation. Sauf si vous mettez les choses au clair dès le début. Alors pour info, au Japon, vous avez 4 modes de rémunération. Jikyu à l'heure, Nikkyu à la journée, Gekkyu au mois, Dekita Kasei par projet. Alors la loi japonaise est clairement en faveur des entreprises, et ça, les employeurs l'ont bien compris. L'article 9 du code du travail japonais indique que quelle que soit la nature du travail accompli, l'employeur a un devoir de paiement envers l'employé. Par ailleurs, la note complémentaire du 18 septembre 1997 précise que si lors des stages il y a un rapport de subordination employeur-employé, alors l'employeur doit se conformer à cet article 9. Donc normalement, stage égale travail. Jusque-là, tout paraît réglo. Sauf que, en réalité, les entreprises vont souvent faire passer ces stages pour des formations purement didactiques, sans réel apport à l'entreprise. Et ce, même si vous participez activement au quotidien. Donc comme vous pouvez le deviner, la frontière entre travail et formation est très mince. En fait, ça vient de l'idée sous-jacente, très répandue au Japon, que c'est l'entreprise qui vous fait une faveur de vous former gratuitement, et qu'à ce juste titre, eh bien, il soit naturel qu'elle ne vous rémunère pas. Alors certes, on retrouve aussi cette conception en France, mais la législation sur la rémunération obligatoire des stagiaires est beaucoup moins ferme au Japon. Donc au final, l'employeur au Japon n'a pas d'obligation de paiement et a toute latitude pour interpréter la loi de la manière la plus avantageuse pour lui. Bon, ça c'est en théorie, parce que pour les Japonais comme pour nous potentiels candidats étrangers, tout se négocie en fonction de l'intérêt mutuel et surtout des atouts rares et recherchés que vous pouvez avoir. Et comme je suis sympa, je vous ai même mis en lien en dessous dans la description mon ancienne convention de stage traduite du français en japonais, rien que pour vous. Vous n'avez plus qu'à insérer vos parties. Et enfin, cela va de soi, mais une fois que vous aurez décroché votre stage, faites bien attention à tous les détails de votre contrat ou convention de stage, que ce soit le salaire, les heures de travail, le paiement des transports, l'assurance, autres, car vous allez voir, ça peut avoir un impact déterminant pour votre vie quotidienne sur place. Voici enfin mes 7 conseils capitaux pour décrocher votre stage dans les meilleures conditions possibles. Premièrement, si possible, commencez vos démarches au moins un an avant, car pour obtenir votre certificat d'éligibilité, vous pouvez attendre jusqu'à de longs mois. Deuxièmement, essayez de terminer l'envoi des candidatures avant le mois d'avril, car c'est la date butoir de clôture des budgets au Japon. Troisièmement, soyez méthodique et faites un suivi de vos candidatures, quitte à relancer les entreprises. Quatrièmement, assurez-vous bien du contenu de votre stage. Encore trop de personnes découvrent une fois sur place que leur stage n'a rien à voir avec ce qui avait été discuté. Point 5, prenez un billet avec un retour échangeable, on n'est jamais trop prudent. Point 6, hors économie et paiement en nature par l'entreprise, et en considérant que vous habitez dans une grande ville telle que Tokyo, je vous conseille vivement de négocier au moins un salaire de 150 000 yens, soit environ 1100 euros, ce qui me paraît être le minimum pour vivre décemment au Japon. Et enfin, dernier point, allez-y avec un minimum de ressources. J'ai moi-même dû trouver un autre stage sur place suite à des problèmes économiques de ma première entreprise qui avait donc dû se séparer de moi. Et voilà, c'est tout pour ce guide ultime. J'espère que ces informations vous aideront dans votre projet de décrocher un stage au Japon, car même s'il est vrai que trouver un stage au Japon n'est pas chose facile, je peux vous assurer que ça vaut vraiment la peine de surmonter les obstacles. Personnellement, même si évidemment il y a eu des moments difficiles, je ne regrette absolument pas mes stages au Japon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et maintenant, la question du jour, quels sont vos meilleurs plans pour décrocher un stage au Japon? Dites-le moi en commentaire, je serais curieux de les découvrir. Channel Toroku wa kochira. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. Et moi maintenant, je vous dis à demain
pour une vidéo d'apprentissage des bases du japonais avec un animé que tout le monde adore. Voilà, à très bientôt. Jané !